et bienvenue dans ce nouvel épisode de On crée des chansons. Aujourd'hui on a invité Maxence et Lucas. Maxence Squeezie. Oh le pauvre, il a une position, il va déféquer dessus. Son trou de balle qui n'est pas propre vient de s'essuyer. Comment ça, mon trou de balle est pas propre? C'est pas le tien, mais attends, mais je parle pas de ton trou de balle. Mais ça commence. Ça m'énerve. Ça c'est les propriétaires. J'ai une propale. J'ai une propale. Vous vous engueulez. Engueulez-vous sans son. On est donc ravis de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce format que vous avez apprécié. On vous remercie pour ça. Aujourd'hui donc, comme McFly l'a dit, on a Lucas et Maxence qui sont là avec nous. Cette liaison, putain. Pour improviser sur des jingles que McFly a brillamment composés. Ils sont vraiment délicieux aujourd'hui, vous allez le voir. Je tiens à rappeler que c'est un exercice difficile, car déjà, de base, l'impro, c'est vraiment compliqué. En rythme. Et ça, c'est chaud. Je peux dire quelque chose? Maxence s'en bat les couilles de tout ce qui se passe. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui j'ai un limbago de vieux, je suis une vieille personne, je me suis levé ce matin, je me suis bloqué le dos. Anecdote vraie! Je suis allé chier et j'ai pas réussi à me torcher. Non. Je pouvais pas atteindre mon... Mais il fallait m'appeler, mec. Mec, j'étais comme ça et je criais et j'ai fini par faire... Ah! Qui est intéressé par cette anecdote? Tout le monde écoutait. Je parle avant? Ouais. Par l'arrière, c'est encore plus Ok, le débat est ouvert, vous torchez-vous par l'avant, par l'arrière. Un maximum de commentaires! Tout le monde parle en même temps, j'en ai marre! Vous faites aucun effort. BAM! Tu te torches. BAM! Tâche! N'oubliez pas que ce format est interactif. Attention. Mec, ton chien, t'as pas une garderie pour ton chien, t'as pas un chenil. On dirait une femme dépressive de 50 ans qui se balade partout avec son chien. C'est pas un chenil ici, c'est un studio. Tu parles de mon chien comme ça, je te... me fist. Croyez-le ou non, le prochain qui me coupe. Hey, quand j'ai dit coupe, il a coupé le sapin. Rappelons que ce format est interactif. Pour définir le thème des impros, nous allons tweeter. Vous avez bien vos smartphones. À préciser qu'à l'issue du premier épisode, en fait, on a My Fucking Mess qui est sur YouTube et sur Twitter, oui. Son vrai prénom c'est Grégory, qui nous a illustré en dessin animé une des impros. C'était mortel, c'était la chanson de Zara. Je suis allé chez Zara dans une cabine d'essayage. Inutile de vous raconter ce qui s'est passé juste après. Et en fin de vidéo, il choisira une impro qui lui plaira, qui permettra de créer plus facilement. Mais oui, techniquement c'est compliqué, donc c'est à lui de décider. Ouais. Donc il le fera et on mettra ça en fin de vidéo. Et vous allez vous abonner à sa chaîne My Fucking Mess. McFly, t'as fait combien de chansons aujourd'hui? Eh bien, j'en ai fait 5. C'est parti. À vos tweets. J'en ai marre d'écrire impro et que l'iPhone me propose impôt. Problème de riche. Tellement. Brésilienne de tête. Faut pas que la balle tombe par terre. Allez, deux têtes en tête, c'est parti. Première tête. Mais comment c'est tombé? Vers la tête, il a pris appui sur sa table. Tiens la bague, les gars, putain. Celui qui rate la brésilienne doit lécher l'anus de Natsu. Ah bah voilà. Celui qui échoue pendant la brésilienne de tête, il met sa main dans son cul et il la sent. T'as 6 ans et demi, frère, c'est incroyable. C'est l'équivalent du gag où les mecs sans mon doigt. Lui, il est au level sans mon doigt. Il va avoir un deuxième enfant. C'est vraiment, on l'a fait quand même. Et celui... Oh non, non. Tu mets la main dans le cul-cul. Mais non, c'est lui. En tout cas, je vous conseille ce bon livre. C'est con, je voulais faire la promo. Qui a fait ça? Mais pourquoi tu... Bah en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir signé ce livre et de l'avoir offert. Je peux faire un truc positif pour lui faire du bien? Ah non, merde, ça c'est méchant. Ok, non, pardon, je confonds. C'était la version signée, j'avais pas capté. Oh non. Trop mignonne. Pour Calito. Je te préfère à McFly, mais lui dis pas. Bah ça va, c'est notre intimité aussi, tu fais chier. En tout cas, merci pour cette dédicace, frère. Allez, on y va. Un avion qui se scratch. Ah, c'est bien. Qui se scratch. Un avion qui se scratch, c'est quand même drôle là, mais qui se scratch, c'est le mauvais mot. Mais c'est pour ça que c'est scratch. Brésilienne de tête. Putain, les gars. Ça m'a vraiment fait mal. Je suis pas rouge. Ça m'a vraiment baisé, frère. Randonnée en montagne. Randonnée, j'aime bien. Allez, on y va les gros. J'aimerais juste que les gens voient Natsu dans la compréhension totale en voyant ce qu'on fait. Tu es une beauté. Ton maître ne te mérite pas. Oh, allez. Attends, mais je réfléchis au début. Vas-y, je passe en premier, je passe en premier, ça me saoule. Allez, vas-y. Ok, ok. En pleine montagne, je sens un souffle dans mon cou. Je me demande que c'est, je mets la main dessus. Sous ma main, il y avait la griffe d'un ours. Heureusement, j'avais des chaussures Quechua. Ok. J'ai mon couteau, je lui dis, tiens, je te fais du saucisson. Et là, l'ours me dit, pas possible, je suis vegan. Ah, oh, c'était ma vanne. Étant vegan, il a dû avoir une contre-alternative. Alors du coup il a bouffé ma chaussure que je suis à... Ouais. À nous se joint un gentil sanglier qui s'appelait Jean-Patrick le sanglier. Le sanglier lui aussi était vegan. Oh non. Alors du coup je lui ai donné mon couteau au décathlon. Putain. Et là je me retrouve tout nu et un lion se ramène. Et je me rends compte qu'en fait j'étais pas en randonnée.
partir ma gauche, en fait, on était en cours. Et je comprends pas, c'était le cours de maths de Madame Bruchon. Je m'étais endormi en pause de calcul mental. Allez, viens, allez, viens. Yes, 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 yes. Celui qui perd la virginité de tête doit regarder NT1 pendant 72 heures. De suite. Yeah, à vos tweets. Flaubert nous dit, je crois jouer, mais en fait, c'était un éternuement. La gaule matinale. En vrai, c'est drôle, il y a plein de trucs à dire. La gaule matinale, j'aime bien. La gaule matinale. La gaule matinale. La gaule matinale. Et on parle pas de la France du matin. Tu vois ce que je veux dire? Comme tous les matins, oui, j'ai la gaule. Et en me levant, j'ai mal en bas du dos. Jusqu'au moment où je tombe sur maman. Je lui explique que c'est parce qu'elle a fait les crêpes. Elle me dit, moi aussi, j'ai la gaule. En me retournant, je la frappe sans faire exprès avec. Et je me dis, ben comment ça se fait? Je suis devenu expert au bif. Mon petit frère arrive avec la gaule. En se retournant, il me frappe, je tombe à terre. Et d'un coup, je me mets à saigner du nez. Car je me rends compte que mon poisson rouge a aussi la gaule. Le facteur arrive avec la gaule. La voisine arrive avec la gaule. Serge Lama arrive avec la gaule. Je me rends compte que ma gaule arrive avec la gaule. Astérix Obélix arrive avec la gaule. François Pérusse arrive avec la gaule. Zidane arrive et soudain marque un goal. Je vois la baleine laver la gaule. Rocco arrive, il était au repos. À vos tweets! J'en ai un bien, les cadeaux Kinder Surprise nuls. Nous allons improviser juste après la pub! On est de retour après la pub, la page de pub avec McFly, Carito et Squeezie. Ouais, ça tout va. Tout de suite, on va faire des improvisations ouais, musicales. On est avec Kinsley au téléphone, ça va Kinsley? Ouais, ça va, et toi? Bah, ça va super, alors aujourd'hui on est en. On vous laisse tous les deux, on a même pas intervenu. Très bien, alors ce que je vous propose, les gars, c'est que David a fait un beat et on va l'écouter. Le beat est celui-ci. Voilà, ça vous inspire ou pas, les gars? Ouais, c'est cool. Ouais. Ah. Pour le goûter, j'ai demandé à maman de m'acheter un Kinder Surprise. Et à l'intérieur, il y avait un couteau suisse, alors j'ai coupé la veine de maman. Droit. Pour le goûter, j'ai demandé à mon papa de m'acheter un Kinder Surprise. À l'intérieur, il y avait un truc nul, c'était juste un bout de moquette. Mon petit frère m'a acheté un Kinder Surprise, mais y'avait un truc nul dedans. Y'avait une dent, je ne sais pas qui, peut-être c'était de mon chien. Arrêtez nous, je sors. Ok, on est jugé maintenant. Okay. Ok, on y va, on y va. J'ai ouvert un Kinder Surprise, le cadeau était un autre Kinder Surprise. Et à l'intérieur de l'autre Kinder Surprise, y'avait un Kinder Country. C'était pas vraiment des poupées russes, c'était plutôt des poupées Kinder Surprise. Tu dégages. T'es fou! Ouais, t'es non, parfait! Non, non. Ok, bah vous savez quoi? Je sors. Wouah! C'est vrai! Ok. Donc qui commence ou c'est moi? J'étais à mon 522ème Kinder Surprise! Et comme j'en ai vraiment beaucoup mangé, j'ai fait un AVC! Au revoir, merci à tous! Où sont Maxence et Squeezie? Tu sais ce que je vais faire? Je vais marcher dans cette direction sans m'arrêter! Ah! Ah! Mon mon lavago! Aidez-moi! Ah merde! Ah merde! Oh, tiens! Agrippe ce jeu de gameplay! Oh on dirait qu'on est youtubeur et qu'on a 50 ans, frère! Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est un lamago, sachez qu'il fait pas de la comédie, c'est vraiment comme si t'avais le dos paralysé, ouais, hein. Ça fait très très mal! Tout à fait! À vos tweets! Pourquoi pas un accouchement? Ah, oh, c'est pas mal! Ah, c'est ça? Mec. Lucas? Ouais, c'est bien, mec, vas-y! Vu que McFly a un lamago, bah on prend la caméra et puis on ira le filmer nous-mêmes. Ouais, ouais. On va céder à la mise en scène. Qui commence? Qui commence la sauce? La sauce. La sauce qui comment? La sauce soja. Qui comment? C'est où que t'as mal exactement? C'est là? Là ouais. Ah! Hier j'ai assisté à un accouchement. Non pas celui d'un humain mais d'une jument. Elle a fait un bébé qui était plutôt joli. Il avait un visage magnifique. J'étais assez dégoûté car j'ai pas ses chansons. En plus moi je suis fan de Patrick Bruel. Le bébé était moche mais je crois que je suis père. Mais... Faut que ça finisse comme c'est ça. C'est très drôle mais...
suis tellement tard sur le temps. C'était bien. Ouais. Il y en a d'autres déjà en son. Non. Ah, t'as peu travaillé toi hier. Il y en a 5. Ah, t'as peu travaillé toi. 5 compos. Il est chaud pour en faire une là. Ah, il faut que je me relève là. Une dernière. Il est hyper chaud. Vas-y, on te lève. T'es prêt? Ah, bah là, vous levez un bœuf, faites gaffe. McFly, t'es capable de composer un truc vite fait là? Je suis capable. Mec, tu sais vraiment comment c'est au clavier? Il est hyper chaud. Ah, bah attends, je vais mettre un beat. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais non, ça fait un bout de temps. Je me souviens quand même de ce moment. Ah, mais quel bonheur. Dans ce truc penché. Ah oui, mais oui, extra, on l'avait reçu. Igor et Grishka dans le Fat Show à l'époque, dans le studio penché. Tu peux dire bonjour à 1 million d'abonnés? Mais bien sûr. Alors c'est bon. J'ai dit 1 million de bonjour à vous tous. 2 millions individuellement. 2 millions 5. Oh là là, non, oh non, oh. Est-ce qu'on finit la vidéo en improvisant sur Grishka avec Grishka? Mais oui. Bien sûr. Je vais jouer en live le beat, hein. Non mais vas-y, joue bien. On était dans le studio quand Grishka a débarqué. Il nous a fusillé du regard. Il est si beau avec ses belles pommettes. Ta ta ta. Je suis là, ouais. Venu de la quatrième dimension. Par un portail temporel qui s'est ouvert après le studio. Grishka, t'es incroyable. Sans te manquer de respect, je suis là. Grishka, t'es incroyable. C'est incroyable. Ouais, ouais, mais il le fait, il vient, il le fait. Le mec, il rentre dans le studio, il est là. C'est ça. Merci. C'est la meilleure chose. On se revoit vite, les amis. Merci, Grishka, au maximum de bruit. Ok, Grishka est parti, mais nous on continue. Ok. Ok. Attendez, on trouve un thème. On a reniflé en même temps. Moi aussi. Non, ta maladie, non, t'es trop malade. D'accord, c'est de la maladophobe, super. Le taboulé. Putain, oh mon repu. Taboulé. Chez le médecin, les gars, pensez-y. Hein. Chez le médecin, ça me plaît. Je peux composer. Change cet instrument, comment on le change? Non, mais non, on le garde, mais. Mais laisse-moi tester un peu. Mais c'est la chanson qu'on va faire là. Il t'arrive quoi là? Mais là, on s'amusait ou pas à la fin? Ça m'énerve! On risque pas de s'amuser. Putain! Il nous manquait une instru, McFly l'a composée en 8 minutes. C'est parti, c'est la dernière instru du jour. McFly. Je me suis rendu chez le médecin afin de soigner mes verrues plantaires. Il m'a prescrit du chocapic 3 fois le matin et le soir. Je lui ai dit attendez, bougez pas, c'est pas vous l'acteur de scène de ménage. J'ai pas compris ce que Carl a dit, mais c'était cool, il y a toujours des verrues. Je lui ai dit attends non, bougez pas, c'est pas vous l'acteur de scène de ménage. Il a dit bah non, moi je suis Elise Moon, j'ai fait plein de trucs mais pas scène de ménage. Et je suis devenu un médecin depuis que j'ai joué en vétérinaire. Mais je n'ai pas de diplôme, du coup tout ce que je soigne, bien il meurt. Est-ce que vous voulez que je vous parle de ma relation avec Dieudonné? C'est un peu parti en couille. Y avait aussi François Cassel. Il y avait aussi François Cassel. Bon, tu reprends, tu te débrouilles. C'est merde. On va y aller. Allons, chauffe, on saute. Je suis allé chez le médecin car j'avais des douleurs aux pieds. J'ai dit bonjour monsieur le médecin, en fait c'était un vétérinaire. C'était ni un médecin ni un vétérinaire, en fait c'était Teddy Riner. Il a vu ça, il m'a fait tout de suite un Ushimatomata. Je suis tombé par terre et d'un coup j'avais plus mal aux pieds parce qu'il me les a arrachés. Mais ce qu'il a fait c'est qu'il m'a mis des coups et d'un coup mon roi a rompu. Dans toute ma douleur je l'ai trouvé beau, je suis monté, je l'ai embrassé. Il a accepté et en même temps il a décidé de m'arracher dedans. Pendant qu'il m'a arraché la molaire, David Douillet s'est joint à nous. J'ai rompé jusqu'à lui, je l'ai agrippé et puis d'un coup il m'a fait un bisou. Car je l'ai trouvé beau, David Douillet, Teddy Riner et aussi l'arbitre. On a fait un selfie ensemble et on l'a mis sur LinkedIn. On a eu plus de 500 000 j'aime, c'est la fin de notre carrière glorieuse. On a fait une chanson ensemble, on a dit bienvenue chez le médecin. Voilà, c'était la fin de la chanson, souscrivez à un abonnement. On a 2,5 millions d'abonnés, merci, c'est complètement ouf. C'est la danse du lumbago. La danse du lumbago. Eh, hey, avec moi, Teddy Riner. Teddy Riner.